Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur Exo Heroes pour une petite session poulite. La première sur la chaîne, j'espère que ça va bien se passer. Alors, pour resituer un petit peu le truc, je suis sur le compte Reroll, donc mon deuxième compte, le compte que j'utilise pour le free-to-play. Et il me manque, pour ceux qui ont vu la vidéo qui est sortie un peu plus tôt cette semaine, peut-être même cet après-midi, il me manque juste Baraka Black, FC Black, pour pouvoir terminer ma team le nombre. Donc j'aurai vraiment les 5 personnages, après je pourrai travailler dessus. J'ai chopé Iris en tournant la vidéo de l'épisode 2 avec, pour montrer un petit peu mon avancement. Et en farmant un peu, j'ai pu monter à quasiment 10 000 Xes, puisque je suis passé... Alors je vais montrer tout de suite, hein, pour pas qu'on crie « Ouais, t'es pas free-to-play, machin !» Si, je suis free-to-play. En fait, je suis passé niveau de compte 55. Avant de tourner la vidéo de l'épisode 2, j'étais 45, je crois. Donc, du coup, j'ai passé le stade 50 et le stade 55. Ce qui m'a permis de récupérer 2000 et 5000 Xes. Donc, on est déjà à 7000. Plus les quelques succès que j'ai fait par-ci, par-là, les bonus de connexion, etc. Ça monte très, très vite les premiers comptes, les débuts de compte. C'est vraiment très généreux. Donc, à peu près 24 heures, j'ai récupéré quasiment 10 000 Xes, on est à 9779 et on va tout de suite aller tout envoyer pour Baraka. Il n'y a rien qui me dit qu'il va tomber, j'espère qu'il va tomber assez vite puisque ça va être sur une SOC, donc qui est celle de Shufraken, sur laquelle justement on peut choper le fameux Baraka qui est ici FC Black, donc vraiment God tier dans la team le nombre. Il me le faut, c'est le dernier qui manque, après je pourrais vraiment travailler sur l'optimisation de la composition. Et si jamais il y a un miracle et qu'il tombe rapidement, j'enverrai le reste d'Exes sur la bannière Tail Off. Je vous déconseille de le faire, mais bon, c'est mon petit plaisir, hein, c'est les poules. Ceux qui me suivaient sur SSA, vous le savez, donc on est parti. Première multi. On va passer les animations quand même. Pas perdre trop de temps. Ok, un légendaire. Ok, on a autre chose. Est-ce que c'est... Ah, c'est un légendaire aussi. Ah non! Oh. Ça peut être un prédestiné. Hein. Prédestinés sont claqués au sol. Ah non, c'est un légendaire que je n'avais pas. C'est pour ça que j'ai pas pu skip. D'accord. Ça serait beau qu'il tombe en 9000. Hein. Quand même. Ça me mettrait bien, en fait. Si je pouvais éviter d'aller au bout de la SOC. Parce que Iris, je l'ai vraiment chopé très tardivement. Ok, je peux pas skip. Ah, dommage, prédestiné. Il n'y a pas de généraux dans les SSC non plus. Anastasia, je crois que je l'ai pas encore sur ce compte. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors, après tous mes doublons de prédestiné, de Fated, on ira les dégager aussi dans la forge. Alors là, je peux pas skip. Oh! S'il vous plaît. Alors, ça va paraître con. Sur une SOC, pour ceux qui connaissent pas encore trop le jeu, il y a un FC Gold et deux FC Black. Généralement, ce qu'on veut focus, c'est le FC Gold. Et c'est celui qui arrive en dernier. Mais genre, quand vous avez claqué 20 000 Xes, je viens de l'avoir à la troisième multi. Et mine de rien, je suis salé. Après, c'est un général, c'est un FC Gold... Franchement, je prends, je suis très content, je suis très content. Mais c'est pas ce que je cherche, quoi. C'est vraiment pas ce que je cherche. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Bon, il reste 10 multi. Et sinon, bah tant pis, hein, je continuerai de farmer en off. Et puis, je me ferai des petites invocations. Là, je me suis dit que j'avais récupéré vraiment 10 Kaxes assez rapidement. Donc, ça aurait pu être sympa. Ok, je peux pas skip. Ah, légendaire que j'avais pas encore. Donc je me suis dit que ça aurait été sympa de faire une petite vidéo invoque. Même s'il y a moins de hype que quand on pull sur une bannière. Voilà, le FC Gold donne. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, il y avait une chance sur 3. Bah en vrai c'est bien. Ok, même pas un légendaire, rien. Il n'y a pas de légendaire obligatoire quand on pull sur ce genre de bannière. Œil de lynx. Ok, ça va aller vite. Oh, très vite. Ah. En vrai, c'est cool, j'ai eu Shufraken Gold, mais FC Gold, mais... Oh là là, oh là là. C'est un petit peu... Il y a un petit côté d'amertume quand même, là, c'est... Non, mais par contre, please, il y a des Fated hein, dans la bannière, vous êtes au courant quand même.
Non, ça va encore. Le taux de drop a pas trop monté. Ah! Je veux pas cliquer pour passer. Je veux me laisser l'espoir que au moins il y a un Fated, une petite cape arc-en-ciel. Non, pas du tout en fait. C'est un vieux légendaire éclaté au sol. Ok. Le comte a quand même beaucoup de chance. Hein. Ah. Le comte a vraiment quand même beaucoup de chance. Le Choufraken qui tombe. Quand j'ai fait le reroll, déjà j'ai pas eu besoin de reroll plusieurs fois. Je l'ai juste fait un, non, deux comptes, je crois. Et multi du désespoir pour voir si je garde le comte. Il y avait eu Rochelle, Rachel FC et Zéon FC dans la même multi. Parfait pour démarrer. Sur ce que je voulais focus, donc j'étais très content. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ok. Le taux de drop est pas dingue quand même pour l'instant. Bon, j'ai tombé un des 3 FC, mais qu'un seul prédestiné, je crois. Ça sera toujours qu'un seul. Ok, ça enchaîne. Allez. Allez. Oh là là. J'ai un taux de drop éclaté. Dernière multi. Alors, j'ai fait un succès, donc potentiellement, on va pouvoir en faire une autre. On va voir. Sinon, je continuerai en off. Je referai pas une vidéo pour refaire une pool, une session de pool à 10 access. Je finirai dans... Oh ! Ah ! C'est improbable. C'est improbable. Ah, oh, j'ai les nerfs. Oh. Oh là 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 là. Bon, c'est bien, c'est pas grave, ça grossit la box quand même, c'est cool, mais en 10 access, je réussis à choper 2 des 3 Fate Core de la bannière. À aucun moment, c'est le bon. Qui dit mieux? Oh là 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 là. Alors par contre, c'est très bien, enfin, j'ai beaucoup de chance d'avoir chopé 2 persos aussi rapidement. Il n'y a pas à dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais en monter un. Je vais pouvoir récupérer quelques Xes comme ça et ça me permettra de refaire des pools. J'ai un Baraka ici, hein, mais c'est pas ce que je cherche. Hop. Bon, je vais le mettre... Allez, on va le mettre 75. Hein. Ça reste un très bon perso. Je débloque tout. Ensuite, je vais aux archives. Ah, ça m'a pas donné de... Cordialement. Ah, la bêtise. Alors, si je fais pareil avec la Lepin. Normalement, 60, ça devrait suffire. Voilà. On va aller voir. Est-ce que ça proc aux archives? Pas du tout. J'ai pas possibilité de récupérer 2-3 petites choses là. C'est pas cool ça. Ah, j'avais déjà eu une Anastasia. Bah, j'en avais même déjà eu 3. Bah, c'est pas grave. Alors, je peux pas grappiller de poules supplémentaires. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller combiner des persos pour essayer d'avoir des choses intéressantes. Donc là, il n'y aura pas de FC possible, mais on sait jamais, on peut tomber sur de bonnes surprises pour pouvoir aller transcender par exemple. Ça, ce n'est pas une bonne surprise. Pareil, je peux tomber sur des persos que j'ai pas encore. Alors si, c'est une bonne surprise du coup. Je dis des bêtises. Je ne l'avais pas. Donc ça, je suis content. Je vais juste dégager les persos que j'ai en double. Je pourrais pas aller jusqu'au ticket. Bon, là par contre, c'est un petit peu déconné quoi. 2 fois le même perso de suite. Alors, Sabrina, je l'ai pas en double. Lui, j'en ai plusieurs, c'est sûr. Et certains. Donc, ça saute. Alors. Chatty, c'est un doublon.
Donc l'Anastasia, j'en ai une 60. La Chatty peut partir. Si je vais sacrifier un perso pour récupérer le ticket. Ah, j'ai fait un succès. Peut-être les 30 Xes qui me manquent. Ok. Ouais, j'en récupérerai 100 000 quoi, des Talia, donc c'est pas grave, on va l'envoyer, on va passer, on va récupérer le ticket. Pour l'instant, il n'y avait pas grand chose de fou. Ouais, tout ça pour finir sur lui. Les tickets sont généralement de meilleure qualité. Ah bah parfait, celui-là je l'avais pas. Un petit redelet, donc ça c'est cool. Ça, je prends. Je prends. On va aller regarder au niveau des succès. Non, c'est encore des parchemins d'XP tout nul. Normalement, il n'y a rien d'autre. Non. Bah voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo de pool. Donc, petit débrief, mine de rien, un peu moins de 10 000 Xes pour obtenir 2 FC sur la SOC. Donc, j'ai été très, très chanceux. Ça, c'est plutôt cool. Après, ce qui est dommage, c'est que sur les 3 Fate Core qui sont disponibles dans la SOC, j'ai obtenu... deux, mais pas celui qu'il fallait, puisque sur les trois, il y en avait un que je voulais vraiment. C'est le Baraka, hein, que je possède en version Fated, mais il me faut son Fate Core. Donc c'est pas grave, c'est le jeu, je vais devoir pousser la SOC. Avec la chance que j'ai, je pense que je vais devoir aller quasiment au bout. C'est le jeu, je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo quand j'aurai tombé le personnage, si je pense à vous le dire. Je vais regarder au niveau des archives, non, toujours rien. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, bombarder la barre de pouces bleus, partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si c'est de l'invocation, j'espère pour un non-shaft. Ciao tout le monde.